YouTube, bonjour! C'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. On enchaîne! Toujours dans cette première session de découverte d'Halo Infinite. J'aime bien. Alors, c'est un petit peu particulier parce que forcément, le style de jeu est très différent de ce qu'on a l'habitude pour la saga. Je demande à en voir plus en fait. Parce que pour le moment, il y a de très bonnes idées, des choses où je demande à voir en fait comment ça va évoluer, tu vois. J'ai recruté des Marines, parce qu'on a commencé à reprendre du terrain. Et du coup, on doit se rendre doucement mais sûrement vers le signal de la tour qui se trouve là-bas. Mais avant ça, j'aimerais qu'on aille vers la base avancée Foxtrot, qui est pas très loin. Ok. Ah, par contre, c'est vraiment la vie, hein. Maintenant que j'ai un Warthog et des Marines, le contrôle se fait de plus en plus. Putain, elle déconne zéro avec son pompe. Ça vient de cette tour de communication. Ok. Eh ben, allons-y. Il y a une histoire de semi-open world, hein, je rappelle, pour ceux qui découvrent et qui connaissent un petit peu la saga via les autres épisodes. Ouais. On ne s'arrête pas. Putain, elle fait le taf avec son pompe. Oh, il est pas mort. C'est bon. Ok. Ça se fait bien. Ouais, il y a beaucoup de choses à savoir, hein. Il y a un arbre de compétences, des bases à libérer, pas mal de mobs variés, des boss, tout ça. Un système de points pour avoir de l'équipement, en gros. On est bon. Sors de là, ça le lâche. Ah, ici. Non. Oh, il a été bon, le con. Oh, il a été bon. On joue en héroïque. Cela dit, la difficulté, elle déconne zéro. C'est marrant parce que sur certains points, le jeu est très facile. Par contre, sur d'autres, le jeu nous rappelle quand même qu'il est capable de nous one-shot, en fait. Non, mais j'aime bien. Ça résiste. Heureusement, par contre, le jeu sauvegarde toutes les 30 secondes. Hein. Ok. Allons-y. Eh ben, gosse. Eh ben, gosse. Let's go. Ça, c'est fait. Oula. Ah, blablabla. Il est où? Là. C'est bon. C'était le dernier. Yes. Au terminal et la base Foxtrot sera à nous. Eh ben, voilà. First try. Ok, donc cette base est maintenant à moi. Base d'opération avancée pour l'UNSC, juste dans l'ombre de cette tour paria. Plus on s'en approche, plus le signal de détresse de l'UNSC est fort. La source doit être quelque part à l'intérieur. Ok, et du coup, plus je vais récupérer des bases et plus j'aurai d'éléments indiqués à l'écran. Oh, j'avais pas vu, il y avait un module de Spartan là. Non. Ok. Tour de propagande. Capturer des bases d'opération avancées, révèle les points d'intérêt proches des... Non, ça je sais. C'est quoi les tours de propagande? C'est juste 10 points en fait. Je sais pas encore quelle tête aura cette aventure YouTube. Je l'ai déjà dit en début, mais je préfère le redire parce que moi je suis toujours dans la même session. Mais cela dit, je vais la faire à ma sauce. C'est-à-dire que je vais récupérer un maximum de choses pour faire en sorte d'accomplir moi ce que je voudrais pour cette aventure. Mais il va y avoir beaucoup de travail. Ok. J'ai un vecteur pour la nouvelle zone d'atterrissage. Je fais quoi, Major? Bah j'avais... Attends, j'avais un Warthog, il est où? Il est tombé? Oh non, j'ai plus mon Warthog. Oh, j'ai le mort. Oh, attends. Content de vous voir, Major. Ah mais oui, ils sont toujours avec moi. Rapport du capitaine, ILF 101 à ORT. Cryptage Lambda Key Alpha. J'ai parlé au commandant Palmer, qui m'a assuré que notre contingent de Spartan est prêt à partir. Le commandant Starbond en a fait de même avec nos divisions d'infanterie et ASCO. Le Spartan Lock a déjà engagé les phases suivantes de l'opération percée. Le Spartan Lock. Je me demande à chaque nouvelle sortie jusqu'où ira notre chance. Et maintenant, voici mon moment préféré de la journée. Le débriefing avec le docteur Alcey. Cette femme est incontestablement brillante. Mais le prix à payer augmente chaque jour un peu plus. Ok. On en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé après Halo 5. Hein. YouTube, je préfère te le dire, hein. J'ai envie de me perdre. Il n'y aura pas de ligne droite ou quoi. Hein. Sache que dans cette aventure, il n'y aura pas forcément le 100%. Il n'y aura pas le 100%. Mais au moins, on en fera assez pour me satisfaire. Et pour le coup, je veux récupérer des modules. Avant de progresser. Ok, parce que de toute façon, je pense que le jeu te pousse vers ça. Hein. Vers la récupération de matériel. Alors comment je sais si mon Marines est en vie?
Alors il est là, il y a d'autres Michel qui me suivent, d'accord. Ah ah! Le voilà! Ok. Point d'équipement trouvé, module de Spartan. Et on est content. Et on est content. Il n'y a pas des armes. Des armes humaines, je dis. Des armes humaines, des armes humaines. Ah, oh, 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 oh. Attends. Ah ah! Nyaha! Perfect! Perfect. Attends. Michel? Michel, 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 Michel. Alors, attendez. Les gars, vous êtes mignons, hein. Il n'y a pas de problème. Il me faut un seul, Michel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais. Voilà. Attends. Oui, oh, se mettent à terre maintenant, c'est rigolo ça. Je vais attendre de voir quel Michel veut monter avec moi. Voilà. Et ce Michel, on va lui filer. Attends, prends ça. Ah merde, il a la même arme que moi. Ah, t'es chiant toi. Attends. Tiens, prends. Allez, ça. Prenez-le. Ouais, ouais, ouais. Tiens, monte. Oh, c'est bon, il est malin. Bien, ouais. Ok, on a un bon combo. Alors, un bon combo à partir du moment où on fait les choses bien, hein, parce que s'il faut, il va me défoncer. Ok, donc, je vous propose, on va faire tac, 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 tac. Ok. Et avancer doucement mais sûrement vers le scénario. Comme ça, on va faire un ensemble de tout, tu vois. Moi, je me satisfais, vous vous satisfaisez, on est là, on est bien, on est content. Tour de propagande pour 10 points. Je sais pas ce que c'est une tour de propagande. Hein. Enfin, si, dans l'idée, je sais c'est quoi, mais... Ah ouais, oula, oula. Mais... Embarque, c'est bon. Mon gars, t'as intérêt à être un beau gosse. Et à bien viser. Parce que je te préviens, je suis quand même vachement fragile. Je le sens pas... Oula, y'a un grognard. Là, là, tour de propagande. Et donc? Hein? Attends, y'a mes potes dans le coin et personne ne réagit? Hein? Attends, c'est quoi l'idée? Je la pète ou... Wouah, c'est compliqué quand même. Tour de propagande paria. Vous avez déserté les tours paria sur les forces de l'UNSC dans la région en détruisant les tours de propagande paria. Cumulez des points de bravoure pour accéder à de nouvelles ressources depuis n'importe quelle base d'opération avancée capturée. Je sais. Je sais. Michel. On y retourne, Michel. Michel, tu es bête. Michel, tu fais n'importe quoi. Michel. Bien, Michel. Merci, Michel. Perfect. Alors, attendez. Du coup, là, ce que tu m'expliques, c'est que j'ai obtenu assez de points pour obtenir du contenu. D'accord. Accessible sur les bases. C'est vrai, on l'avait vu tout ça. Donc mon objectif, c'est le Warthog. C'est le Warthog. Putain, on peut avoir des snipes. On peut avoir des snipers avec nous. On peut avoir... Oh bah d'accord. On peut avoir des Michel de démolition. Des scorpions. Ouais, ok, ok, ok. Le jeu nous encourage clairement à... Cinétique. Alors c'est quoi la différence? C'est les mêmes mais en jaune. C'est joli. Oh! Incroyable! Ouais, ouais, ouais. Le jeu nous encourage clairement à gratter des points. Eh ben écoute, on va gratter des points. Hein. Alors, ma vie. Ma vie, parce que là, ça ne va pas du tout. Bastille, on augmente la capacité, messieurs, dames, de 15% de notre bouclier actuel. On est bien. Alors, amélioration effectuée. Avançons. Doucement mais sûrement, vers un nouveau point. Et du coup, maintenant, il m'en faut combien? Il m'en faut 3. Attends, que je vois un petit peu. 3 et 3. C'est ça. Et apparemment, il manque pas mal de choses encore. Hein. Bon. Je sais pas ce que vaut le jeu en termes de durée de vie. Hein. On va jouer autant qu'on en a envie. Et on verra bien à quel moment on a l'impression qu'on est proche de la fin. Oh, j'aime pas ça. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. On se bouge, on se bouge, on se bouge. Michel. 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 Où est ta race? Bien joué, Michel. Bien joué, Michel. Alors, qu'est-ce qui se passe, par contre, si on les déglingue? Oh là là. Oh, il est bon, mon Michel. C'est la tête chercheuse? Ouais, c'est ça. Et casse-toi. En fait, on gagne du terrain. Plus j'avance en récupérer des choses, et plus c'est la joie. Alors, ça, je l'ai déjà fait. Ça, j'ai pas fait... On va chercher la murie Mjolnir. Alors, la murie Mjolnir, on a fait un point la dernière fois. Oh, je suis en feu! Oh non! Oh, j'ai le mort! Ouais, on a fait un point la dernière fois. En fait, c'est pas forcément intéressant. On va le faire quand même parce que, bah voilà.
Mais en vrai, ça consiste à récupérer du cosmétique pour le multi. Est-ce qu'on le fait? Oui, non, peut-être. Je sais pas. Ouais, si, allez. De toute façon, c'est à côté. Hein. Ah là 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 là. Non, mais ouais, en fait, j'aurais aimé que le solo soit orienté pour le solo. Parce qu'en fait, t'as l'impression que. C'est juste une annexe sur certains points. Ok. Let's go. Oh! Mec! Y'a des ghosts! Ah! Attends, je connais ça. Je détecte un nouveau signal de détresse de l'UNSC. La source est proche. Ah! Et ben, maintenant que j'ai un ghost, ça va se faire vite! YouTube, c'est Skyrim. YouTube, c'est Breath of the Wild. YouTube, c'est la détresse. Kazma se perd. Attention, Major. Il y en a d'autres. T'inquiète, 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 je gère. Bon, c'est pas grave. Écoute, on va se perdre. C'est ça l'amour du jeu vidéo. Après tout, moi, ça me va. Let's go. Ok, on va faire un maximum de choses. Récupérer du terrain. Il y a un Warthog pour transporter les escouades. Hein. S'il faut. C'est grâce à vous que l'UNSC survit sur cet anneau, Major. C'est bon? Continuez comme ça. C'est bon? Ils sont en main? Mission complete? Oui! Bien joué, les gars! Bienvenue! Ah, attends, vous avez quoi? Des mangoustes? À votre service, Major. Des mitraillettes? Ah, bah, un plaisir, un plaisir. Venez avec moi, messieurs. Messieurs, mesdames, pardon, excusez-moi. Wouah! Un ensemble de Michel. Oh! Bah, du coup, go, hein! Ne fais pas regretter mon choix! Alors, fut un temps, j'avais un Michel à lance-roquette. Il est devenu quoi, lui? Bien. Bien, triple con! C'est bon. Il a insisté pour monter à l'avant. Ok. J'aime beaucoup. Non, non, il y a des points sur lesquels le jeu est cool. Ça marche. Vraiment, ça marche. Alors, attends, j'ai abandonné un Michel dans le coin. Ah non, il est disparu. Hein. D'accord. Bon, très bien. J'étais parti pour faire autre chose, moi. Armurerie. Voilà, c'est ça qu'on veut. Parce qu'une fois l'armurerie obtenue, je pourrais équiper mes Michel. Ah non, je suis con, l'armurerie c'est pour le solo. Le multi. Ah, attends, parce qu'une fois que je descends, je remonte comment? Attendez. Les Michel. Yes. Ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Maintenant. Ah, cosmétique déverrouillé. Ouais, mais tu vois, je vois marqué armurerie. Moi, je m'attends à trouver des gros lance-roquettes, tu vois. C'est parti. Allez. M'attends à un truc différent. Je sais pas, c'est pas ça que j'aurais aimé. Pourquoi pas rajouter un aspect pour le multi, hein, mais pas comme ça. Ah, attendez. On va se rendre vers le point d'intérêt. Faut juste que je trouve un moyen de sortir de là. Avec mes Michel. Très. Bien. Non mais ça va. En vrai, ce qui est cool, et ça je l'avais lu, hein, pour le peu de choses que j'ai vu du jeu, mais c'est pas trop grand en fait. À explorer, ça reste agréable. Je suis déjà venu ici. Oui, 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 c'était le point. Le point de Spartan. Alors attends. Nya ! Et là, on vient d'obtenir la médaille d'or en saut de véhicule. Ok, c'est par là. YouTube, allons-y ! Vers le scénar. Et bienvenue aux Kazma qui nous rejoignent. Welcome back. YouTube, hésite pas, hein, y a un lien dans la description. Si tu veux rejoindre l'aventure. Tiens, tiens. Attendez, je me méfie, hein, parce que mes Marines sont pas si forts que ça. Oula. Regardez ça. Ok. Provient de l'intérieur de cette structure. Ok, on va faire un premier petit tour. Ok, il y a des méga grognards, on fait attention, hein. Oh. Ok, ok, j'ai vu des Marines. J'ai vu des Marines, on peut les sauver. On a quoi? On a perdu quoi? Il a dit quoi, le grognard? Let's go. Allez. Attendez, deux secondes. C'est bon. On a des Marines. Allons-y, les filles. Let's go! Non, pas de problème, vous venez avec moi! Alors, qu'est-ce qu'on a? Caisse de munitions, interrupteur interrupté. Ok. On va vers le point d'intérêt scénarium, hein. Donc il va se passer des choses.
Il va se passer des choses des vraies. Ok. J'attends les ordres, Major. Eh ben allons-y. Je m'attendais à aller en intérieur, hein, je vous avoue. Allez, on m'épaule. On m'épaule, on m'épaule, on m'épaule. Ok, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ça va, je commence à m'y faire aux armes brutes, hein. Oh, cette visée. Incroyable. Ok. De chaque côté. Je sais pas si je peux m'équiper une équipe. Enfin, comment dire, m'équiper une escouade qui m'accompagnera constamment, une espèce de d'escouade enregistrée, tu vois ce que je veux dire. L'idée est bonne, non? Ce serait sympa d'avoir des mecs un peu mémorisés. Ok, le méga grognard, check. Attends, quoi? Eh, mon pote, t'es où? T'es là. Attends, toi, donne-moi ça. Ok, ça va aller pour vous. Ça va, on fait avec. Alors attends, qu'est-ce qui se passe par là? Mec, c'est infini. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup dans ce genre de jeu, c'est qu'en fait, une fois que tu charges l'univers, bah c'est fini en fait. C'est très très cool. On a eu zéro chargement depuis le début. Clac, 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 clac. Ah merde. Attends. Bah attends, c'est quoi ça? C'est un raccourci? Ah non, c'est dehors. Oh bah c'est bon, flemme. Oh les gars, vous êtes tous en vie. Enfin, je crois. On reste concentré. On reste. Attendez. Concentré. D'accord. Non, j'aime bien. J'aime bien. Pour le moment, j'arrive pas à le mettre dans mon top parce qu'il y a trop de choses dans les épisodes principaux qui les rendent incroyables, tu vois. Mais je trouve ça cool qu'ils aient essayé de le faire avec ce Halo. En fait, je donnerai mon verdict à la fin. Hein. Je préfère vous le dire. Ok. Ça passe. Ça passe. Oula. Oh le salopard. Pensais-tu pénétrer aussi facilement ma tour? Ma tour? Certainement pas. Ce bâtiment est verrouillé. Tu ne peux rien faire ici. Ok, mais alors du coup lui c'est un boss, c'est ça? Ok. Ah, attendez. Ok, des Marines sans plus. Ouais. Pour nous, il se trompe. Quand le verrouillage s'est déclenché, il y a eu une surtension dans ce qui semble être le centre de sécurité. Je l'ai indiqué sur la carte. Ah bah voilà. Merci, pas Cortana. Je sais pas encore quel nom on peut lui donner. Valentina. Merci, Valentina. Merci beaucoup. Attends, ici où? Les gars, qu'est-ce que vous branlez? Attendez, ils sont en panique les pauvres. Attends, ce qu'on va faire. Coco! Ouais. Ah, attends. Clac, le clic, le clic. Par là, c'est mort. Ok. Messieurs! Mais vous êtes où? Ah, ils sont en dessous! D'accord. Oui, je sais. T'inquiète, Valentina. C'est par là. Ok, ça c'est ouvert. Bonsoir. Trouvons un moyen d'entrer. Let's go. Ok. Ça progresse. What? Attends, quoi? Pourquoi il y a un accès vers le bas là? Les gars, pourquoi il y a un accès vers le bas? Dis donc, Michel! Mais calmez-vous! T'as vu un peu mes Michel comment ils sont? Incroyable, te dis-je! Je viens de remarquer, mais les brutes utilisent de la technologie humaine. Ok, on avance. Le protocole de verrouillage devrait être facile à inverser. Voyons ça. 3, 2, 1. Voilà. Oh. Qu'est-ce qu'il y a?
Cet endroit est un centre de détention dirigé par notre ami élite de tout à l'heure, Jack Locke. Oh. Et il a la réputation d'être vraiment vilain. Moi aussi. À Grou-Grou ! Kazma Grou-Grou. Ok. Bon. En vrai, c'est le premier boss après celui du prologue. En sachant que cette fois, j'ai un peu compris comment capter le jeu et tout. Normalement, ça devrait un peu mieux se passer. Alors c'est quoi ça, là ? Cet endroit sert de centre de détention. Les prisonniers sont capturés, transférés à Jack Locke, puis envoyés dans ce qu'ils appellent le Temple du Jugement. D'accord. Un nom parfaitement sinistre, tout à fait digne des parias. Ah ah. Oh. Ah, c'est des grenades. Ok. Let's go. Paniquez pas, paniquez pas, paniquez pas. C'est ouvert. Je suis fan. Mes marines y servent. Oula. Attends, c'est des brutes chargeurs en fait. Ok, d'accord. Donc maintenant il y a vraiment des brutes qui brutent en fait. Enfin qui brutent, tu m'as compris. Très bien. Let's go. Alors je sais pas ce que sont les munitions cinétiques, mais je pars du principe que ça marche sur les armes humaines. Donc bah, ça veut dire munitions humaines quoi. Il y a plein de choses à faire ici en fait. Waouh, il y a tellement de choses. J'ai rien trouvé. Ah merde, ça on est en jeu. Pardon. Il y a quoi en bas? Que dalle. Ok. Ouais, si tu le dis. N'oubliez pas qu'on ne peut pas monter tant qu'on n'a pas activé l'ascenseur gravitationnel. Panique pas. Ah! Ok. Ok, on va là. Les gars, let's go. Bonjour. Oula. Non. Oh, c'est pas vrai. Je l'ai vu arriver, ma mort. Je l'ai vu arriver et pourtant je résistais. Aïe. On est où? Que se passe-t-il? Ah, j'ai eu mon point. Attends, j'en suis à combien du coup? 2 ou 3? 2. Prochain point, faut que je pense. Hop là. Faut que je pense à faire les choses comme il faut. Ok. Oh là là. On se calme. Les Michel, faites votre taf. Un peu. Oh. C'est bon. Putain, mais Michel, les gars. Ils font le taf comme... Attends, il reste. Au-dessus. Trouver un moyen d'activer l'ascenseur gravitationnel. Salut, toi. Voilà. Ok, moins un. Ascenseur gravitationnel, par là. Cela dit, deux secondes, attendez, il y a beaucoup de choses à faire. Tac. Ok. Non, j'aime bien. La manière dont c'est construit, c'est sympa. Franchement, sympa. Ça change vraiment de tous les Halo qu'on connaît, par contre. Ok, repousser les renforts. Ah, merde. Ah, quoi? Oh, mais non, c'est pas vrai. Ah oui, d'accord, c'est là-bas. Stop. Je vois que dalle. Je vois. Hein? Putain, tu m'as fait peur, mon con. Les gars. On se calme, ça tire fort. Moins un. Moins deux. Aïe. Toi non plus. C'est bon. Oh, ça va les gars? Bien, ça va. Ouais, et alors, est-ce que vous m'accompagnez par contre? Les gars, pitié, accompagnez-moi. J'ai une force de frappe avec vous. Ça fait toute la diff. Il m'accompagne? Major, une autre armure de Spartan. Quoi? Et c'est la source du signal de détresse. Quoi? On arrive trop tard. Alors, trop tard, peut-être. Mais en attendant... En attendant, nouvelle capacité. Un capteur de menace portatif. Il semble verrouillé et mettre en surbrillance toutes les cibles à portée.
Ça peut être utile. Ah ouais, alors oui, mais ça, ça aurait dû être une capacité de base, en fait. Donc maintenant, avec Flèche du Bas, je peux voir aussi les ennemis... Cette armure appartenait à un Spartan nommé Hudson Griffin. D'après les données de son capteur, il était vivant quand l'armure a été enlevée. De force. Hein? Ce n'est pas sûr, mais il est peut-être encore en vie. Attends, Hudson Griffin, ça me dit un truc? Hudson, c'est pas Rich? Capteur de menace installé. Rapide à mettre en œuvre qui révèle la présence des ennemis à sa portée et les met en surbrillance. Appuyez sur flèche de droite pour ouvrir le module d'échange d'équipement. Oh, ça remplace... Attends. Oh. Wow, 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 wow. Attends, quoi? Ok, c'est ma grenade, hein. C'est ma grenade, pas de panique. Il est où? Ah, il est là. Ok. Je suis pas fan. J'aurais préféré que ce soit le clic droit. Enfin, le clic d'en bas. Alors, attends. Ok, donc les mecs m'accompagnent pas, c'est ça que je comprends? C'est à quoi je m'attendais, de la part d'un élite spécialiste de la torture. Yes, exactement. Cela dit... Attends. Non, merde! Oh, mais oui, c'est vrai. C'est pas pratique, ça. J'aurais préféré vraiment que ça agisse avec la flèche du bas. Toi? Contente de vous voir, chef. Oh ouais. Oh ouais. Je te le pique, je te le rends peut-être tout à l'heure. Alors, on y retourne. J'espère que chaque boss est introduit. Comme le premier l'été, parce que en vrai c'était super stylé. Hein. Attends. On va apprendre à se servir de cette merde. Alors attends. Clac, clac. Clac. Ok. Mais ça marche pas. Non mais la portée elle est naze. Mais la portée est pourrie. Attends, c'est quoi les upgrades concrètes de ce truc? C'est pourri le capteur de menace. Augmente le rayon. Ah mec, on va faire ça au minimum. C'est pourri ton capteur de menace là. Oh bah je veux bien, mais sors-moi un vrai truc. Alors. Ah dis donc, il lâche rien hein. Ah, grenier. Ok, non, si, ça y est, ça commence à fonctionner. Ça commence à fonctionner, mais vas-y, il faut au moins la première upgrade, en fait. Hello? Pathétique. Ok, ça marche. Ça marche. Merde, raté. Ça va. Heureusement, le pompe fonctionne pas mal, hein. C'était facile. Un signal, un appât, et le major à Hé hey. Oh. C'est moi qui choisis de venir, d'accord? Ok, moins un. Tip top. Calme. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est nerveux un peu quand même, hein. Oh, YouTube, tu dois tellement rien y voir. Non, ça va, en vrai. Ça va, tu vois autant que moi, c'est-à-dire pas grand-chose. Ouais, 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 ouais. Panique pas. Ça va bien se passer. Ça passe hein, après au bout d'un quart d'heure. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh oui! Oh oui! Le point d'équipement qui va bien! Il est content! C'est l'accomplissement! Ça passe! Ça passe! Ça va, le pompe est efficace, hein. En vrai, heureusement. Phew! Ah mais ça va, c'est parce que je trouve des balles de pompe un peu partout! Excellento! Attends mec, pourquoi il a un bouclier? Pourquoi ils ont des boucliers? Les derniers boucliers qu'on a vu du genre, c'était les escargots, hein. On rappelle. Allo DST. Allo Rich. C'est tout.
C'est tout, je crois. Peut-être à la Wars. Je sais pas. Ok, on progresse. Ça monte, hein. Ok, on a atteint l'objectif. En tout cas, c'est l'étage, hein. Ok. On va reprendre le grappin. Je sais pas comment ça va se passer avec le boss. Oh non, le Spartan Griffin, il est encore en vie. Quoi ? Nous devons le sortir de là. Hein ? Où est Jack Locke ? Pas d'info. Oh putain, c'est lui ! Oh damn ! Mais Griffin, ça me dit un truc. Il était pas dans Halo 5 ? Bienvenue dans ma tour, Major. C'est ici que je vais te briser. C'est ici que tu vas me livrer tes secrets. On est mort. On est mort. À nous. Ok. Bon, il est invisible. C'est la joie. Tu es où? Comment ça, couilleux? On dit couillu. Ils se sont rétractés. Le danger peut venir de partout. Mais mec, il prend rien. Je viens à toi, légende, et la mienne maintenant. Donc là, t'es en train de me dire que je l'ai ogivé de... d'un nombre incalculable de roquettes et qu'il en a rien à foutre. Ok, on va jouer autrement. Les murs se sont rétractés. Le danger peut venir de partout. Ok, c'est compliqué, hein. Non mais mec, il prend que dalle. Ok, non mais j'aime bien, c'est les vrais combats de boss. Par contre, je fais comment oui pardon, s'il active son sabre. Mec, les combats de boss c'est incroyable. Je le vois pas, je sais pas où il est. Ok, la zone est grande, hein. La zone est grande, on peut se battre. Viens te battre. T'es où? Forcément, il est derrière. Jack Locke s'est camouflé. Utilisez le capteur de menace pour le trouver. Pas le temps. Attends, là. Putain, je sais pas où il en est avec son bouclier, hein. Non, je me suis tué. Ok, il est chaud. Alors, en vrai, si c'est comme le premier boss, tout est une question de bouclier. Une fois qu'on aura passé le bouclier, ce sera passé. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ah merde. Attends. Les murs se sont rétractés. Mais j'ai pas eu le temps de... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a un petit côté Souls-like? Oh quand même. Oh moi j'aime bien. Ok. Il est où? Ok. Ouh, j'ai pris cher. Ok. YouTube, j'aime trop ce qui se passe. Vraiment. Cette impression de Souls-like, ça me régale. Par contre, c'est pas évident. Alors forcément, oui, hein, c'est un Souls, tout ça. Ok. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Attends. Hop, le rhino. Il est où? Mec, t'es où? Hello? Ça y est! On l'a quasiment eu! Oui! Incroyable! J'aime beaucoup!
J'aime beaucoup. Ça emprunte des codes aux Souls-like. Genre c'est des vrais combats de boss et tout. Oh j'aime bien. Oh j'aime beaucoup. Donc, mon copain. Désactive-moi ça. C'est ce que je fais. Ok. Tenez-vous prêt, je vais le libérer. C'est vous. Vous êtes en vie. Major, les parias, j'ai essayé de les arrêter. J'ai voulu... Doucement, tout va bien maintenant. Les parias, ils ont un lieu qui s'appelle le conservatoire. C'est tout ce que je sais. Ils m'ont pris au nord d'ici, sur un site de fouille. Je n'étais pas de taille. Mais vous aussi. Arrêtez-les. C'est comme si c'était fait. Très bien. Bien. Les autres, les Spartans. Est-ce que... Je les trouverai. Écho 216, à vous. Vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Major. Major, votre détecteur de mouvement ne bouge pas. Oh, allez, allez, répondez. Major, je... Répondez, je vous en prie. Vous avez trouvé la source du signal. Quoi que vous ayez trouvé, vous devez soit l'emmener, soit l'abandonner. Vous me recevez? Un site de fouille sur l'anneau? Ce conservatoire doit être une sorte d'installation Forerunner. Qu'est-ce que vous croyez qu'il cherche? Il est temps d'y aller. Je viens de comprendre des choses du côté du gameplay. Et j'aime beaucoup trop ça. Damn! Il y a des codes de Souls! Incroyable! Messieurs, dames, on a validé la tour! Par contre, il reste beaucoup de choses. Hein. Oh. Déjà, il y a un type de collectable. Je n'arrive pas à savoir c'est quoi. Hein. Attends. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. Attends. Si, ça ressemble à ça. Hein. Attends. J'essaye de capoter. Ok. On a commencé à prendre le contrôle de pas mal de choses en vrai. Hein. Non mais non, il y a un truc important à trouver. Bon, le crâne c'est autre chose. Le crâne c'est pour moi. Ça je m'en fous, à la limite, c'est pas grave. Le crâne c'est plus rigolo qu'autre chose. Il y a des trucs, j'aimerais comprendre ce que c'est et où ça se trouve. Et qu'est-ce que ça apporte? Quoi que soit le conservatoire, les parias n'auront pas envie qu'on s'en approche. 21 000, ah non, 2148. Comme vous dites. Oh mais c'est loin. Ah oui. Ah oui, là on est reparti pour de l'exploration façon musclée. Briglar. Le plaisir macabre que Briglar prend, elle est toujours plus loin sur le champ de bataille. Il vole le respect de ses pairs. Il ne tue pas les soldats de l'UNSC, comme ses congénères. Il trouve toujours des façons horribles et dérangeantes de mettre fin à leur... jour. Il y avait un autre, je crois, j'ai... Là. Là. Okro, Vagadun. Alors je sais pas s'ils sont... Oula. Scénarisés comme les autres. Mais c'est le cas. C'est stylé. Bien. Donc cet endroit est désormais mien. Il me semble. Je crois que oui. C'est très calme tout à coup. YouTube. En vrai, j'ai envie de couper là. Mais je suis en train de me dire que ce serait vachement court du coup. Voilà. J'ouvre les accès qui n'étaient pas ouverts. Hein? Quoi? Qui cocu? Ah non, pardon. J'ai entendu un bruit de klaxon, j'ai paniqué. Non, c'était la porte. C'est la porte. J'ai envie de faire ça là. J'ai envie de faire ça pour savoir un petit peu ce que ça apporte. Bon, ensuite, il y a les modules de Spartan, etc., etc., etc. Mais pour le coup, tout ça, ça viendra en allant. Charge rapide, réduit le temps de recharge du grappin. Oh, damn. Non, le capteur de menace, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Je sais pas si c'est...
le truc le plus incroyable du monde. En vrai, il y a des bonnes idées. Parce que ça emprunte beaucoup d'idées à beaucoup de choses. Ah. D'accord. Donc là, ils viennent d'ouvrir les accès. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas encore croisé, je remarque. Des véhicules. Attends. 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 Je vais aller au point d'intérêt à 200 mètres. On va y aller à pattes parce que c'est pas encore trop loin. Par contre, après, bien sûr, on reprendra les Warthogs. Oh. Il s'agit d'un grognard particulièrement meurtrier. Un grognard ? Il est activement recherché par l'UNSC. Ne le sous-estimez pas, Major. Quoi ? Quoi ? Mais un grognard recherche... Mais quoi ? Mais comment tu veux... Hein ? Pardon. Attendez, il va m'éclater, hein, vous allez voir. Et comment tu veux que je ne rigole pas ? C'est un grognard. Par contre, je suis très mal équipé. Hein. Oh ouais, je suis super mal équipé. Très bien. Ok, ça marche pas sur les rapaces. Tac, 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 tac. Ouais, j'ai pas d'arme en fait. Je n'ai pas d'arme pour gérer ça. Oh, c'est compliqué. Attends. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Ok. On a Brigard. Il y a sa barre de vie. Mais c'est trop rigolo. En fait, il y a des choses que j'aime bien. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans le gameplay. L'idée est bonne hein, d'avoir un open world comme ça. Après, forcément, oui, ça demande à essayer et tout machin. Mais l'idée est bonne. Ok. Ok. Bien. Alors. Bien. Oui. Quoi ? Non, pas tout de suite. Oh, les gars, stop. Stop, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai déjà pas de quoi agir contre la petite troupe que vous êtes. Alors, la grosse troupe, laisse tomber. Oula. Oh, purée, j'ai les pires grenades. Attends, pause. Voilà, ça dégage. Ok, bien. Barre rechargée. Il est où le brigard, là ? Ok. Oh non, il me l'a collé, j'avais pas... Hein ? Aussi facilement ? Ok. Ouais, il me l'a collé, j'avais pas vu, non ! Non, bah là, je suis pas dessus pour tout refaire, en fait. Oh non, fais chier ! On est où ? Hein ? Ah non, c'est bon ! On est en plein milieu du combat ! Non, c'est bon ! Tout va bien. Enfin, tout va bien. Toujours autant dans la merde, hein, mais... Ouais. Panique pas, ça va bien se passer. Ok, file ça. Bien, on a une vraie arme. Pour changer. Ok, t'as les gars, Brigard, il est énervé, hein. Brigard. Mais quoi? Mais... Pardon. C'est un grenier avec un pactage, je suis fan. Aïe. Oh. Je l'ai one-shot. Cible éliminée. Maintenant, c'est copain. Perfect. J'ai plus l'arme, j'ai plus... Oh oh, non. Oh bah non. Oh bah non. Allez, 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 allez. Oui. Oh. Oh, ce sauvetage. Je suis à poil. Je suis à poil, je suis tellement à poil. Ok, pause. Attends. C'est quoi ce pistolet plasma? Mon arme. Tu te calmes avec ton lance-roquette. Pourquoi j'ai un pistoplasma blanc? Il est trop beau. La cible et ses sbires ont été éliminés. Alors, ça sert à quoi du coup? Sert un peu plus sur l'UNSC. Pistolet plasma unbound. Ah oh, bah c'est celui que j'ai. L'arme modifiée que la cible portait. Incroyable. Même pour les parias. Du coup, je l'ai copié. J'ai envoyé des schémas modifiés à nos bases d'opérations avancées. Trop bien. Ça va nous aider. J'allais vous dire d'envoyer un mot de remerciement pour cette amélioration, mais le destinataire étant mort, vous pouvez laisser tomber. Ok, stylé. Alors, pistolet à plasma unbound déverrouillé. Vous avez déverrouillé une nouvelle variante d'arme. Ok, donc du coup, c'est pour avoir une variante. Alors, c'est visuel ou ça fonctionne en termes de puissance? Putain, l'idée est bonne, c'est trop stylé. Le pistolet plasma en plus. Ça paraît éclaté, mais en vrai... Ah, c'est pour ça qu'il y a un logo d'arme, je suis en train de capter. D'accord.
Eh ben écoute, Non, on va s'arrêter là. Je suis en train de réfléchir. On va s'arrêter là pour cet épisode numéro 4 de notre aventure sur Halo Infinite. Incredible. Il y a de très bonnes choses. Il y a de très bonnes choses. Alors forcément, l'expérience n'étant pas la même, c'est difficile toujours de juger, tu vois. Mais plus on avance, plus il y a des choses qui me plaisent. Depuis que j'ai capté le délire des combats de boss façon Souls, ça me happe. Ça me happe. Donc là, du coup, j'ai envie de savoir la suite très vite. Je vous remercie pour cette VOD, merci à vous si vous visionnez ça depuis le début de cette aventure, j'espère que vous serez là pour la suite. On se fait des gros poutous partout et on se dit à très vite pour du Halo Infinite. Des bisous!